Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitar Vlog consacré aujourd'hui à une déclinaison en fait d'un arpège de Debussy. Coucou chérie. Tu dis bonjour à... Tu dis bonjour aux gens? Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont jouer de la guitare. Très bien, avec qui? Papou. Oui, voilà. Donc en fait... J'ai une idée juste en faisant la vidéo d'avant de vous faire une déclinaison d'un arpège de Debussy qui se trouve dans Dr. Gradus ad Parnassum. Donc c'est le premier volet de l'œuvre Children Corner Suite. Alors il y a une intro mais je m'en souviens plus, je l'avais apprise. Excusez-moi, je m'en souviens plus de l'intro. De toute façon, j'avais pensé à vous faire une retranscription et de faire un peu l'analyse du morceau qui est vraiment merveilleusement beau. Notamment, il y a pas mal de choses qu'on peut utiliser, nous, dans un cas, enfin, dans la guitare, peu importe. À un moment donné, au début, vers le début, on a un arpège qui fait ça. D'accord, l'arpège fait... Ok ? Donc ça va s'afficher à l'écran, je vais vous écrire la partition après. Donc là, j'analyse le truc. Je pars de Fa, j'ai la quinte, la sixte, la septième majeure, l'octave dans un premier temps. Et après, j'ai la tierce à l'octave, donc la dixième, la quinte, la sixte et la septième après, majeure. D'accord ? Donc, l'arpège, si je vous le fais à l'octave supérieure, ça donne ça. Ok ? Donc, voilà. De toute façon, je vous écris tout à l'écran. Maintenant, ce que je vais faire, on est en Do majeur. Là, donc, c'est un arpège du quatrième degré, lydien. Oui, chérie. Ok. Quatrième degré, donc, fondamental. Quinte, sixte, septième majeur, fondamental. Tierce, quinte, sixte, septième majeur. Ok. Maintenant, je vais, en fait, pour m'amuser, en fait, ou pour développer l'idée de ce genre d'arpège, je vais, en fait... Donc je vais partir en Do majeur, je récupère le schéma. Fondamental, sixte, fondamental, quinte, sixte, septième. Donc majeur là, fondamental, tierce, quinte, sixte, septième. Sur le deuxième degré, j'ai une sixte majeure, une septième mineure et une tierce mineure. Sur le troisième degré, j'ai une sixte mineure, une septième mineure, une tierce mineure. Sur le degré 7ème, j'ai fondamental, quinte, sixte, 7ème mineur, fondamental, tierce. Sur le 6ème degré, j'ai une sixte mineure, une tierce mineure, 7ème mineur. Et le 7ème degré, donc j'ai quinte bémol, sixte mineur, 7ème mineur, fondamental, tierce mineur, quinte bémol, sixte mineur, 7ème. «
que je veux dire, en fait, ce qui est intéressant, donc les tablatures s'afficheront à l'écran, j'ai pas encore écrit la leçon. Si vous voulez, en fait, à chaque fois qu'il y a un truc qui vous plaît, que vous apprenez, en fait, je pense qu'il faut que vous compreniez le truc. À chaque fois, il faut essayer de récupérer, comprendre et développer. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'adorais cette œuvre. Il faut que vous vous débrouillez en fait de comprendre les choses et de vous les approprier. Comme en fait cet arpège. Je sais plus ce que ça fait après. D'accord ? Je le fais 4 fois de chaque avec vous. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, après ça peut être intéressant, moi j'ai déjà essayé de le mettre dans des grilles de jazz, etc. Donc voilà pour ce petit arpège et ce développement. Voilà, donc les gars, je vous dis...
Les gars, je vous dis à demain pour un autre épisode du Guitar Vlog. Bye, ciao, bossez bien.